Les gars, on est retourné au même endroit. Si vous vous souvenez, la dernière fois la vidéo, c'était de l'autre côté. On est retourné de ce côté-là, du coup. Première trouvaille, une cuillère. Bah allez, je vous reprends si. Bon, bah deuxième objet pour le campagnard, les gars. Une plaque en métal. Avec encore des moules dessus. Allez, suivant. Bon, les gars. Moi ouais, j'ai fait mon premier objet, je sais pas c'est quoi encore. Ouais, c'est fou quand même ce qu'on trouve. Je pourrais pas vous dire ce que c'est par contre. Allez, next. Bon les gars, on va faire un peu de direct. Ça va changer la donne. Ouais mais gros, le bout de ferraille que tu viens de faire là, tu sais ce que c'est? Non. C'est un bout de fusil gros. Non. C'est un bout de fusil gros. Ah ouais. Ah ouais, qui dit? Yo les gars, on se retrouve pour un deuxième objet assez lourd. J'ai vu, c'était un panneau. S'il rip pas, ça serait cool. Et ben voilà les gars. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Allez, next. Bon les gars, hein, plus qu'à trouver la clé du cadenas, hein, puis normalement ça devrait être bon. Et puis tiens, le beau-frère, il a... J'ai retrouvé un champignon. Il a retrouvé... Attends, tiens ton aimant s'il te plaît. Il a retrouvé un champignon. Mais allez, on sait d'où ça vient en fait. Ça provient... Attendez, désolé, ça va bouger un peu. Ça provient du pont là, vous voyez les petites boules là? Au-dessus là, et ben c'est ça, ça vient d'ici en fait. Voilà. C'est ça. Allez. Bon les gars, super trouvaille. Ça franchement c'est de la trouvaille. Oh. Bon, quelques conneries dessus, mais ça, pour l'instant vous voyez pas ce que c'est. Et regardez, une vieille plaque émaillée. Franchement c'est pas magnifique ça. Allez. Bon les gens, bon, on a été un peu interrogés par des cyclistes qui nous demandaient ce qu'on faisait, tout ça. Ils ont trouvé l'idée super sympa et ils ne connaissaient pas ce concept-là. Et tout en parlant, on a retiré ça. Alors pour moi, c'est un ancien fer... Bon les gars, hey, vous avez vu quand même, l'autre jour, on était de l'autre côté, hein, si vous vous en souvenez bien, sur l'ancienne vidéo précédente. Eh ben regardez là, une roue de vélo quand même. Bon les gars, un troisième lancé. Hein. On peut constater que c'est bien crade ici. Hein. On va s'occuper de ce coin-là, on va le remettre à jour. Bon les gars, le beau-frère il a trouvé des champignons de Paris en fer. Allez, next. Bon les gars, je sais pas ce que c'est mais c'est super lourd. Ça, oh, ça là. Ça. Les gars, deux aimants pour choper un truc. Hein. Ah c'est bon, ça revient, non. Ça vient. Ouais, oh ouais, 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 c'est quoi ça? Un chariot, carrément les gars. Carrément les gars, un chariot. Attention. Eh ben les gars. Allez, next. Bon les gars. Tiens, moi je viens de faire un boulon. Hop. Regardez tout ce qu'on vient de faire quand même. Abusé, hein. Bon, je vais bien regarder parce que... Eh, ça c'est une vieille clé gros, ça il faut la garder. Ça je l'avais dit. Ça c'est une vieille clé, faut garder. Bon après tout ce qui est boulon, tout ça c'est poubelle. Oh, les anciennes ouvre-boîtes, vous vous rappelez? Les boîtes à sardines avec la clé. C'est pas nickel les gars. On a fait... Ah, ouais, franchement, ce truc là nous a fait galérer. C'est vraiment dégueulasse hein, tout ce qu'il y a. Regardez toutes les barres, les roues, encore un cadenas. Allez les gars, je vous reprends. Next. Bon les gars, hein, c'est bon, on a fini la journée. On reviendra peut-être sûrement demain. Voilà ce qu'on a ôté de notre part. C'était assez galéré. Franchement, c'était assez dur aujourd'hui hein, avec le soleil. Mais ça fait plaisir, les gens nous ont remerciés. C'est déjà le principal. Allez, next. Bon les gars, on vient de rentrer de pêche, un peu épuisé. C'était pour vous montrer les belles trouvailles du jour. Alors on a cette vieille clé qui est super sympa. Je vais restaurer ça.
cette plaque émaillée. C'est good, franchement, c'est des belles trouvailles. Et puis, ce fer, pour moi, c'est un fer à repasser. Mais regardez le dessin qu'il y a dessus, c'est super. Je sais pas si vous voyez, ça fait une croix un peu celtique. Voilà. Et puis, bah, ce fusil, hein. Franchement, ouais, c'est vraiment bizarre. Mais à mon avis, je pense que c'est un fusil de guerre. Je suis pas sûr de moi. Alors, si quelqu'un pourrait me renseigner, ça serait super sympa. Parce que là, je vois que le canon, là, il est fermé. Alors, est-ce que ça, c'est un protège? Là, je vois qu'il y a un petit truc. Est-ce que c'est pas un bouchon pour protéger le canon à l'époque? Je sais pas. À voir. Et est-ce que aussi, il y avait des gradations comme ça avant? Sur ces pistolets, bah sur ces fusils-là. Je sais pas, je suis pas connaisseur. Alors si quelqu'un peut me renseigner, ça serait cool. Allez, prochaine vidéo les gars.